allez, go! Où est-ce qu'on doit aller? Il est où quand même? On n'a pas quand même pas. Ah oui, on va y commencer. On va faire la quête principale, puisqu'on a le niveau à un moment. Pas vraiment. Bah, go monter au niveau des vitres avec des quêtes secondaires. Qu'est-ce qu'on a en annexe? C'est pas à côté du jeu. On peut faire celle-là. Près des quais, ok. Hey. Oh bah une fois, près des quais là-bas, ok. Ok, ils vendent du poisson. Ça va-tu bien les raquettes avant de la prendre? On va prendre la pêcher. On va peut-être trouver un cheval sur la route. C'est pas à côté. Non mais le cheval reste ici. Tiens un peu, tiens un peu. Je vais vous accélérer, il peut avoir. Laissez le passage. C'est un peu votre cheval à votre cheval, donc voilà. Rien pour. Peut-être. Quelqu'un pour avoir un problème. Je vais pas être loin. C'est le moyen de le faire aller tout seul. Hein. Il ne va jamais dans la bonne direction. C'est une quête temporaire, si on veut. Je vais le faire plus tard, peut-être qu'on aura découvert toute la carte. Ok. Bon, ça va plus vite que tu vises, mais... Ah. Je vais le trouver, je vais pas le tuer. Oui, j'ai des coques et des moules toutes fraîches. Je m'appelle Bayek. C'est Arkouf qui m'a fait. Il a besoin de ton aide. Tu étais l'ami de Jeska. Je t'écoute. Jeska était tout. Arkouf a besoin d'un homme de confiance pour aider les gens à s'extraire des griffes de ses fétons. Tu es ? Arkouf et toi, vous êtes mal informés. Jeska n'est pas du genre à se faire prendre par ses fétons. Elle a échappé au grand don. Quoi ? Mais où est-elle ? Sur le fleuve. À bord d'une felouque chargée de vivres pour les gens qu'elle a mis à l'abri. Pour échapper à la surveillance de Sefetu, elle a choisi une voie dangereuse au sud-ouest auprès des hippopotames. Si tu suis la côte, tu la trouveras. D'accord. Donc elle est pas loin. Ah, elle est là.
pas une grève d'attaquants? Ok, je vais faire un DPF. J'ai l'impression que je vais attaquer. Je vais prendre le bateau. J'ai l'impression qu'il me faut dessus, mais je veux pas vraiment. Il bouge pas en fait. Plus vite tout est pour faire une attaque lente à l'arc, mais c'est pas le bon. Aïe, filet, maudit cochon du fleuve. C'est pas des cochons. Ces maudites vaches bouffies, aide-moi à les chasser d'ici. Je peux pas les énerver. Faut qu'on tue tous les... Oui, d'accord, ouais, non. Pas de mur. Le mec qui fait ses courses en faisant tuer, quoi. Bonjour, en meuf. Ouais, bah, c'est que des nouveaux boulots. Certes, ils font mal, mais. Oh. C'est des vaches cochons de l'air. C'est quoi ton nom? Bayek. Ravi de te connaître, Bayek. Je m'appelle Jessica. Comment es-tu arrivé ici? Je me suis perdu. J'ai mal choisi mon chemin. Éviter les patrouilles de Sefetu, ce n'est pas mal choisir son chemin. Qu'est-ce que tu sais de Sefetu? Arkouf t'a cru morte. Mais tu as pu fuir. Il a besoin de toi. Aide-moi à porter ces vivres à mon village. Ils sont nombreux à compter sur moi. Là-bas, nous parlons. D'accord, bah voilà sûr. Ah d'accord. Je comptais conduire, mais... Un homme envers qui je suis engagé m'a envoyé le voir. Je crois que nous avons le même objectif. Oui, Arkouf est quelqu'un de bien. Même si tous ceux de Saïs ont tendance à se prétendre homme de bien. Mais Arkouf a le cœur sur la main. Il veille jour et nuit sur sa ville et ses habitants. Oui. Il les protège des lâches tels que Sefetu et le Scarabée. J'ai aidé de nombreuses familles à quitter Saïs pour se mettre en sécurité, dont la pauvre Wenis et son fils. Car Sefetu n'hésite pas à faire brûler vif tous ceux qui s'opposent à lui. Ah ouais, carrément. Il ne manque pas de courage pour sauver des gens qui ne sont pas de ton sang. Si tu le dis, je les cache dans mon village jusqu'à ce qu'on puisse constituer une caravane pour leur faire traverser le désert. 17 cargaisons de vivres et de remèdes. Comment as-tu survécu? Les soldats de Sefetu m'ont amené à Fort Mutu. Ensuite, ils m'ont brûlé et torturé. Mais je leur ai craché au visage. Quand ils ont cru m'avoir brisé, par tous les dieux, Sefetu est venu ici! On s'en rappelle la suite. J'écoutais attentivement ce que, son histoire, mais ben non. Elle a navigué trop vite. Niveau discrétion, on l'a vu. Hein. Voilà, est-ce qu'ils sont morts brûlés ou kidnappés? Il va falloir aller les sauver. Les gardes sont très vigilants ici.
Une pierre, ok. Avec son gros bouclier, il va me faire mal. Bien ça, ouais. Arrêtez-le. Ah, leurs bouclier, ils font fort. Mon épée, ils peuvent pas passer par là. Elle tape fort, mais... Ah, je sais pas s'il a de la vie. Je vois pas sa vie sur... Je pense pas qu'on va avoir des survivants. Descends. Merde. C'est pas ce qu'il reste. Ça restait qu'un. Tout bien quoi. Ah d'accord, quand je les ai tués, ils ont popé. Ah, quand tu assassines, il vit tout seul. Oui, c'est un village allié, mais on peut quand même piller des trésors. Quoi. Pourquoi pas? C'est terminé. Toutes ces vies ravagées par ce monstre. Il y a des survivants? Nous devons faire vite. D'autres vont venir. Tu réponds pas à la question. T'as entendu ça? Oui. T'as des armes sur toi, hein, Oli. Pour ça, prendre des bâtons. Pentou! Oh, les dieux soient loués. Tu es encore vivant. On est là pour longtemps. Jamais hein. Je ne te laisserai ici. Pas besoin de vous en fait. Vu sa brûlure, j'aurais pas survécu. Mes cousins ont une ferme près d'ici. Elle a peut-être été épargnée. Aide-moi à y amener Pentou. Bien sûr, je m'en charge. Voilà. Vu sa brûlure, voilà. Il lui faut de la peau, une bonne désinfection. Je pense pas qu'ils ont ça à cette époque-là. Une grève de peau, ça se passe facilement. Avec le sable et tout, ouais, c'est bon. Ça va se cangrener. Hein, avec l'eau du fleuve. Ouais, non, il n'y a pas. Hippie! Abana!
Et pourquoi pas? Merci d'avoir sauvé Pento. Ce n'est rien à côté de ce que tu as fait. C'est à toi qui dois la vie. Et c'est loin d'être fini. Non. Ces chiens continuent à chasser pour leur maître. Je vais aller voir Arcus. Il faut trouver le moyen de faire sortir ces fétous de son antre et en finir avec lui. Je ne peux pas ramener les tiens de la droite. Mais je vais t'aider à ranger ton village. Je vous avance.